Alors 500 minutes égale combien d'heures? Je refais la méthode, 500 divisé par 60, puisqu'il y a 60 minutes dans une heure, je prends ma calculatrice et je trouve 8,333, etc. heures. Alors, erreur classique, c'est de dire que l'on trouve 8 heures et 33 minutes, ce qui est totalement faux, puisque 33 minutes, c'est plus qu'une demi-heure, donc ici, on devrait avoir 8,5 ou 6, plus que la moitié de 1. Donc ça, c'est archi faux. Alors, comment va-t-on faire? On va dire que donc 500 minutes, c'est égal à 8 heures plus 0,033 heures, autrement dit, plus des minutes. 8 heures, bah c'est 8 fois 6, 48. 8 fois 60, 480 minutes. Ça, c'est 8 heures. Il reste combien de minutes pour arriver jusqu'à 500? Il reste 20 minutes. 480 plus 20, ça fait 20 minutes. Donc, 500 minutes, ça va être égal à 8 heures et 20 minutes.